Bonjour et bienvenue à cette 7e émission de Chasseurs d'emploi. Nous avons pour objectif d'aider des personnes à trouver du travail en tant que salariés ou créateurs d'activités. Pour cela, nous allons réunir les acteurs de l'entreprise, du monde associatif et de l'emploi. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir Émilie Sabi, qui est directrice de la communication de Tunnel Prado, Pierre Guille, qui est directeur commercial du journal La Marseillaise, et Marc Maionchi, dirigeant de la société Oxygène Groupe WEM. Sans plus attendre, nous allons maintenant voir le portrait d'Anne-Marie, qui cherche du travail en tant que responsable marketing. Je m'appelle Anne-Marie Garcia, je suis franco-américaine. J'ai vécu 15 ans aux États-Unis et maintenant je suis de retour en France. Donc j'ai fait 10 ans dans chez Rémy Cointreau et donc ensuite 5 ans chez Warner Bros. Vu tous les problèmes, je dirais, de santé que ma petite fille a eu, on a décidé de rester en France, qu'elle soit soignée correctement. C'est un choix qu'on a fait. Hein. C'est elle la priorité. J'ai remis, je dirais, les bases de mon projet parce que j'ai un profil à l'export. Maintenant, avec une petite fille, être toutes les deux semaines dans un avion pour les États-Unis ou pour le monde entier, c'est pas du tout ce que je souhaite. Donc, je l'ai remis en place pour plus un poste, je dirais, de marketing. Bien sûr, à l'international, puisque c'est ce que j'apporte de différent par rapport à un autre candidat. On verra ce que je peux trouver et comment je peux tout organiser. Mais voilà, cette année, ça a été l'organisation. Nous allons maintenant voir un reportage sur le parcours d'Anne-Marie qui a duré un mois. Puis nous allons, avec nos invités, débattre d'un thème qui a été soulevé par elle, à savoir l'adaptabilité d'un CV. Maintenant, on va retrouver donc Anne-Marie, le collectif, les CV Streeters, les chasseurs d'emploi, à l'association où tout le monde est réuni. Première sensation, c'est que c'est fait très dense, quoi. Deuxième remarque, c'est sur les différents postes que tu as occupés. Je ferai une petite phrase, voire deux phrases, mais vraiment sur quelle était ta mission. Ce qui permettrait ensuite de pouvoir détacher tes réalisations. Je pense que mon CV est atypique pour la région et qu'il est vraiment différent de celui des autres chasseurs. C'est vrai qu'il faut être concentré pour le lire et tout le monde n'a pas un quart d'heure à passer sur un CV. Après, au niveau de Rémy Cointreau, donc tu as 10 ans là-bas, ce qui est bien, c'est... je trouve qu'il y a trop de détails, mais c'est quand même bien qu'on voit l'évolution. Tout le feedback du collectif m'a aidé en fait à reformater mon CV et à remettre en avant les expériences qui étaient vraiment trop longues. Donc ça m'a permis de tout remettre en place par rapport aux besoins du marché. Ce fut un exercice très difficile, mais en fait, on est arrivé à quelque chose de très intéressant. Je m'appelle Anne-Marie Garcia, j'ai un profil international, je suis franco-américaine et donc je suis trilingue, français et espagnol, et j'ai une expertise autour de deux avenues, marketing et commerce international. Et donc voilà, je suis rentrée en France et je suis à la recherche, je dirais, donc d'un poste où je vais m'épanouir et où je vais pouvoir amener toutes ces expertises. Me présenter en 30 secondes a été vraiment un challenge, puisqu'il a fallu que je mette 20 ans d'expérience dans un moment très très court et être pertinent pour pouvoir mettre en valeur mon expérience marketing, vente et business development à l'international. On arrive à dire le début et après à laisser en fait la personne, si elle est intéressée, à arriver. Ça crée un point d'interrogation et un intérêt toujours de mon interlocuteur qui va dire « Ah, mais vous êtes rentré en France, qu'est-ce que vous faites ?» Et de là, moi, je continue. Petite chose qui est assez intéressante, c'est de laisser une empreinte. C'est-à-dire que dans votre histoire, vous allez raconter quelque chose qui va retenir son attention. Et c'est aussi comme ça qu'on peut intéresser son interlocuteur. Parce que si on veut qu'il retienne quelque chose, il faut qu'on touche à ses émotions. Donc en fait, avec l'aide des autres chasseurs, ça m'a permis de le refaire et de le remettre, beaucoup plus fort. Donc voilà, c'est l'esprit du collectif qui m'a aidé dans cette démarche.
Anne-Marie a dû finalement écouter le collectif pour comprendre qu'au lieu d'étaler ses expériences, elle devrait résumer ses compétences. Ce qui va être intéressant, c'est de dire je connais le secteur nord-américain, je connais le secteur sud-américain, vous vous développez sur ce secteur-là, je suis en capacité de vous apporter tel et tel contact, telle et telle manière de travailler, je connais les habitudes de business dans ces secteurs-là, enfin dans ces régions-là du monde. La différence, elle est là, c'est de montrer, de parler en termes de compétences. Pour la première fois, on a arrêté de me dire ce que je devais changer pour me dire beaucoup plus comment je devais agir. Anne-Marie s'apprête à rencontrer Sophie Bellé des OA Angels. Que va-t-il se passer? Comment va réagir Anne-Marie? Est-ce que les OA Angels vont trouver un élément qui va remettre en cause toute la recherche d'Anne-Marie? Anne-Marie, quelles sont tes prétentions salariales aujourd'hui? Mes prétentions salariales à l'heure actuelle sont de 38K. Le retour que j'ai à te faire, c'est que ce n'est pas un CV qui pèse 38K. Aujourd'hui, tu es surdimensionnée. Mon expérience dans mon CV n'était pas en adéquation avec, je dirais, les prétentions salariales du marché. En revanche, il y a comme un décalage entre ce que tu es capable d'apporter aujourd'hui à une société et le salaire que tu demandes. Tu es en mesure de valoriser des compétences export, tu es trilingue, tu es en mesure de mettre en avant des compétences de commercial, sachant qu'en plus, celle que tu as envie de développer ici, c'est le marketing. Donc, zoomer sur ta compétence marketing au fil de l'eau, au travers de tes expériences, pour permettre à un recruteur de se projeter avec toi dès le début d'une relation sur du marketing. Je dirais que ce feedback m'a permis de réajuster mon CV en adéquation avec mes prétentions salariales. Anne-Marie a désormais toutes les clés en main pour réussir. Elle part maintenant à la chasse à l'emploi dans différents salons d'entreprise. Après ce mois de parcours passionnant, je me suis repositionnée en tant que responsable marketing avec une dimension de business development. J'ai pu rencontrer de nombreux chefs d'entreprise qui ont validé mon projet professionnel et je suis vraiment confiante de pouvoir trouver un poste dans ce domaine très prochainement en CDI. Après un parcours d'un mois avec CV Street, Anne-Marie n'a pas trouvé un emploi, mais elle sait qu'elle ne tardera pas à en trouver un. Tout est entre ses mains à présent. Nous venons de voir un reportage sur le parcours d'Anne-Marie qui a duré un mois. Anne-Marie est présente ainsi que les invités. Est-ce que tu peux, Anne-Marie, s'il te plaît, nous résumer justement où tu en es dans tes recherches de poste salarié? Oui, donc en fait, j'ai basé ma recherche d'emploi sur deux axes principaux. Une recherche classique via répondre à des offres et une deuxième partie qui est beaucoup plus forte de propositions, créative et pragmatique, pour pouvoir offrir un partenariat avec des entreprises. Alors justement, c'est ce qu'on va un peu essayer de débattre avec nos invités ici présents, puisque tu es américaine, Anne-Marie, et tu as un profil assez impressionnant. On en a parlé avant la préparation de l'émission, un CV avec des expériences. Émilie Sabi, vous êtes directrice de la communication de Tunnel Prado. Est-ce que le CV d'Anne-Marie, qui a vraiment des compétences au niveau international, dans les travaux qu'elle a fait chez Warner Bros, hein, je crois que tu as travaillé aussi pour Rémy Cointreau, est-ce que ce n'est pas trop surdimensionné pour travailler à Marseille, ça? On voit que vous avez des compétences vraiment très larges avec forcément les États-Unis, c'est l'ouverture d'esprit, c'est un autre management, c'est des diverses compétences qui ne sont peut-être pas sur le marché marseillais aujourd'hui, pour être vraiment sur du marché local, et que vous devez vous différencier, à mon avis, je n'ai pas toutes les clés, mais vous devez vous différencier en disant « moi, je peux vous apporter du nouveau et du marketing différent et du management différent » et avec des objectifs du sport ou du multimédia. Il y a des labels qui se créent partout, c'est les labels du sport, la French Tech. Aujourd'hui, Marseille X sont French Tech. Il faut y aller, les entreprises. Le label de la French Tech, ça permet quand même à ces entreprises d'être ouvert à l'international et de dire on est French Tech, ouais. Qui veulent faire de l'export, ce que tu as fait, Anne-Marie, souvent de l'export. On va rester de la Chine. Il y a vraiment un potentiel pour Marseille de se développer, notamment avec ce label sportif, ce qui me permet de faire la transition avec Pierre Guy. Vous êtes directeur commercial du journal La Marseillaise.
qu'on lit souvent, qu'on apprécie bien entendu. Et vous êtes aussi secrétaire général du Mondial de la Pétanque. C'est bien ça, le Mondial La Marseillaise. Le Mondial La Marseillaise à Pétanque, j'avais peur de faire une erreur. On fait le lien donc avec l'événementiel, cette volonté à notre région, notre département de rayonner. Et il y a ça, mais aussi le fait que vous, en tant que directeur commercial, vous côtoyez souvent des directeurs marketing et communication. Donc ma question pour aider Anne-Marie, c'est comment il faut les séduire, ces gens-là? Alors ça, c'est toujours un sujet délicat parce que bon, nous, on est une entreprise tertiaire qui propose en fait d'aider les gens à augmenter leur chiffre d'affaires en faisant de la communication. Donc c'est vrai que c'est d'un point de vue strictement marketing et commercial et communication. Cela dit, le CV d'Anne-Marie est intéressant parce que ça sera elle de séduire un recruteur. Je pense qu'elle a tous les atouts pour y arriver. Je rejoins ce que disait Émilie tout à l'heure, un CV très impressionnant, qu'on peut qualifier de surdimensionné, mais rien n'est jamais surdimensionné du moment qu'on jauge la personne qu'on a en face et qu'on lui apporte un plus. Donc, vous allez certainement être en face de recruteurs qui ont des problématiques locales, mais pas que. Émilie parlait tout à l'heure du rayonnement de Marseille. Je côtoie notamment dans mon activité professionnelle des gens qui ont des budgets, parce qu'un responsable marketing peut s'occuper aussi de budgets, qui ne sont pas uniquement d'entreprises marseillaises. À Marseille aujourd'hui, se gèrent des budgets nationaux et internationaux. Donc là, il peut y avoir effectivement un intérêt de ces recruteurs sur votre CV international et surtout sur le fait que vous êtes trilingue et notamment les deux langues que vous parlez couramment en plus du français qui sont les langues les plus usées dans le monde, à savoir l'anglais et l'espagnol, mis à part le chinois bien sûr parce qu'on est sur un marché très spécifique, il y a beaucoup de chinois mais qu'en Chine. J'ai demandé aussi à toi Marc Mayonki, donc qui est je dirais partenaire de CV Street de la première heure de l'association et je t'en suis vraiment reconnaissant. Je t'ai demandé de venir parce que tu es dirigeant du groupe OEM, Société Oxygène, hein, groupe OEM, tu es dans le développement durable, dans la production d'énergie renouvelable, donc une volonté d'amélioration bien entendu au niveau sociétal. Et tu es patron d'une PME locale. Alors PME locale, c'est pas péjoratif là encore, puisque le tissu économique est composé. C'est une réalité. C'est une réalité, hein, des petites entreprises familiales avec vraiment cet instinct d'être ensemble et de parer à toutes les difficultés et de penser développement. Quand tu vois les CV d'Anne-Marie, qu'est-ce que tu dis? C'est adapté? Comment on pourrait trouver une solution? Ben, mes collègues en ont parlé tout à l'heure, on ne va pas revenir sur les compétences d'Anne-Marie. Je pense qu'elles sont bien écrites et elles sont bien présentes. Moi, je pense qu'il y a le choix de pouvoir éventuellement séduire un recruteur, ça c'est clair. Mais il y a aussi éventuellement le choix de pouvoir séduire plusieurs chefs d'entreprise à la fois. Et donc rentrer dans un système un petit peu différent aujourd'hui, c'est-à-dire de s'offrir non pas la possibilité d'avoir un poste, mais éventuellement pouvoir offrir ses compétences à plusieurs entreprises. C'est un mode de fonctionnement un petit peu différent, bien évidemment. Par contre, je pense qu'il est très riche parce qu'il va permettre d'ouvrir beaucoup de portes et de travailler sur divers sujets. En tout cas, peut-être aussi de permettre de mettre un pied à l'étrier quant à sa recherche d'emploi et d'amener des preuves, on va dire, réelles, régionales, concrètes de ce que tu as pu réaliser au travers de toutes tes expériences. Bon, je vous propose de revenir après sur cette discussion passionnante parce que je voudrais lancer notre nouvelle rubrique en partenariat avec la Fondation FACE Sud-Provence. C'est le CV de la semaine, on se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Majou Touaibou, j'habite à Marseille. Je recherche un poste de technicien bureau d'études en CVC. L'innovation est un domaine qui m'a toujours interpellé pour son évolution constante. Préoccupé aussi par la recherche et l'environnement, j'ai vite su m'orienter vers cette voie. Ayant un grand sens du travail en équipe, j'applique les directives en tenant compte des avis de mes responsables et mes collaborateurs pour le meilleur avancement du projet. Grâce à mon esprit d'analyse et mes prises d'initiative, mon supérieur m'a confié la réalisation d'un diagnostic thermique complet du bâtiment de l'entreprise dans le respect de la réglementation. J'ai mené ce projet de bout en bout, de la mesure des locaux au chiffrage des travaux. Vous recherchez un technicien rigoureux, polyvalent et aimant le challenge? Contactez-moi. Alors on est de retour sur le plateau. J'aimerais qu'on passe à une solution très simple. Anne-Marie, si jamais au bout de quelques mois, parce que tu seras en fin de droit de chômage,
qu'on n'arrive pas à des solutions. Quels sont les possibles? Et là, je veux une discussion entre nous, hein, c'est pas de voir comment on pourrait faire. Un plan B. Quel est le plan B? Pierre? Oui, plan B, notre ami l'a évoqué tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un concept aujourd'hui qui fonctionne pas mal, notamment sur les directeurs des achats ou les directeurs commerciaux. On s'aperçoit qu'il y a des entreprises type PME qui n'ont pas les moyens de se payer un directeur marketing, et c'est normal parce que la structure n'est pas faite pour ça. Et on peut être aussi directeur marketing à temps partagé. Donc dans ces cas-là, on se monte en cabinet de consulting ou en auto-entrepreneur, peu importe la forme juridique. Et après, on intervient dans plusieurs entreprises, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, séduire plusieurs chefs d'entreprise plutôt que de séduire un recruteur, se faire un portefeuille qui fera après un réseau et qui vous permettra d'avoir plusieurs contacts, plusieurs personnes pour qui vous travaillez, mais en accompagnant et pas en salarié. Tout à fait. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, effectivement, aujourd'hui, il existe aussi des associations d'entrepreneurs qui ont des compétences un petit peu complémentaires, on va dire, et particulièrement dans le marketing. Et rejoindre ce genre d'entreprise, on va dire, ou en tout cas de regroupement, va permettre effectivement de te mettre le pied à l'étrier sur des marchés et des clients. Mais rentrer par la petite porte de la PME locale, c'est aussi quelque part se prouver à soi-même qu'on peut faire fonctionner quelque chose, c'est prouver aux gens qu'on peut faire fonctionner aussi leur petit business local, mais c'est aussi avoir comment dire, de l'ambition et pouvoir grandir avec ça aussi, pourquoi pas. Moi, je rajouterais que pour y arriver, j'aurais tendance à vous conseiller d'essayer de développer votre réseau professionnel, d'essayer de sortir dans les bons endroits, de trouver les bons endroits, de discuter avec les bonnes personnes et de vous adapter à la discussion en disant, ben voilà, vous faites quoi, moi je fais quoi, ben moi je pourrais vous apporter ça, mais en toute discussion et d'essayer d'apporter des solutions aux gens que vous rencontrez. Mais pour rencontrer, il faut sortir dans les bons endroits, il faut connaître les endroits, il faut développer son réseau professionnel et le faire grandir. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourrait avoir des missions. Alors juste, je voulais montrer quelque chose. Le CV, alors là, on ne le voit pas très bien, je pense. Mais en tout cas, on en a discuté avant de faire le plateau. Et Émilie, vous avez dit quelque chose. L'expérience Warner Bros, il faudrait mettre un gros logo. Il ne faut pas hésiter à mettre le gros logo parce que c'est important. Warner Bros, Amis Cointreau, c'est important. Et c'est juste ça déjà que tu pourrais dire. Parce que tu vas, Anne-Marie, dans une soirée, tu dis, j'ai travaillé pour Warner Bros, ça suffit. C'est quand même, tu as travaillé pour une des plus grosses entreprises américaines, enfin en termes de oui. prestige marketing, en termes de marque, c'est une marque importante. Donc je pense qu'il faut que tu aies confiance en toi, que tu n'hésites pas justement à utiliser voilà, les contacts qu'on peut avoir après l'enregistrement de cette émission, via l'association CV Street, tous les réseaux possibles. On a déjà eu des discussions ici même sur tout ce qu'il y avait de possible, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller de l'avant. Mais vraiment être transparente en disant, voilà, j'ai travaillé dans des grosses entreprises, j'ai un parcours qui est tel, j'ai habité aux États-Unis, je suis en France pour des raisons personnelles, et je suis consciente d'avoir un beau parcours, mais je suis consciente aussi que je vais m'adapter au marché et d'être accessible. Parce que sinon, ben c'est sûr que Warner Bros, ça fait rêver, mais en même temps, on se dit, jamais on pourra se payer un tel profil en tant qu'entreprise. Et de casser cette image en disant moi je suis quelqu'un de simple, voilà, je suis bientôt en fin de droit et voilà, on a besoin de dire la vérité, et d'être transparent et d'être naturel et de se dire moi je peux vous apporter des choses, voilà ce que je suis et voilà. Je vais profiter de cette sans faire de transition évidente, mais on a parlé du CV. Le thème de la minute de l'expert de cette semaine, c'est justement comment rédiger un CV efficace. On revient juste après, donc c'est en partenariat avec la Cité des métiers, Marseille PACA. Bonjour et bienvenue à la Minute de l'Expert. Aujourd'hui, j'ai demandé à Malika, détachée de Pôle emploi à la Cité des métiers, de venir vous donner ses trucs et astuces pour réussir un CV original. Donc au niveau des CV, il y a deux possibilités. Soit vous répondez à une annonce. Dans le cas d'une candidature spontanée, on va vous demander un travail supplémentaire. Il va falloir essayer de trouver, entre guillemets, le jargon de l'entreprise. Et pour ce faire, il va falloir trouver des informations sur le recruteur au niveau d'Internet ou bien même faire des enquêtes métiers directement au niveau de l'entreprise. Il est important aussi au niveau de votre CV de mettre bien en avant
toutes vos réussites. Et pour ce faire, n'hésitez pas à user et abuser des chiffres. En ce qui concerne la question des loisirs, est-ce que oui ou non vous mettez en avant vos activités extra-professionnelles ? Il faut le faire lorsque c'est un plus par rapport à votre candidature. Par exemple, si vous souhaitez travailler dans un magasin de sport et que vous pratiquez le kayak, nous vous conseillons de l'indiquer au niveau de votre CV. Merci Malika. Retrouvez toutes les vidéos de la Minute de l'Expert sur le site qui s'inscrit sur votre écran. Et à très bientôt. Nous arrivons à la fin de l'émission et traditionnellement, c'est le moment où je vais demander aux invités de donner un petit coup de pouce à Anne-Marie. J'aimerais commencer par vous, Pierre, directeur commercial de la Marseillaise, secrétaire général du mondial. La Marseillaise. La pétanque, je vais y arriver. Petit point de précision, on dit à pétanque. Voilà, c'est une question historique. On joue à pétanque. Voilà, c'est régional. On va rappeler peut-être à l'écran les dates du prochain événement qui s'affiche en même temps que nous. Alors, que le mondial de la Marseillaise à pétanque aura lieu cette année du 3 au 8 juillet. Donc, la finale sera exceptionnellement décalée d'un jour pour cause de demi-finale de l'Euro de foot à Marseille. On ne pouvait bien sûr pas faire la demi-finale de l'Euro en même temps que la finale du mondial, deux gros événements comme ça. Donc, la finale du mondial de la Marseillaise à pétanque aura lieu le vendredi 8 sur le Vieux-Port. Avec bien sûr, comme d'habitude, des places gratuites pour tous les spectateurs et beaucoup d'animation pour tout le monde. Voilà, c'est un bel événement. Alors, je vais revenir un petit peu. Coup de pouce pour Anne-Marie. Voilà, après la pub. Revenons au coup de pouce pour Anne-Marie parce que c'est le plus important. Je rebondis sur ce que disait ma collègue à ma droite tout à l'heure. C'est une expression qu'on aime bien user dans la région, que Marseille n'est pas une ville, mais un grand village où beaucoup de monde se connaît, où beaucoup de monde discute. Donc effectivement, il y a certains endroits où il faut savoir être, alors sans trop en faire, mais en y étant quand même, en se montrant, en discutant, en apportant, en contredisant, en discutant. Et puis cibler les bonnes personnes. Vous parliez tout à l'heure du lancement de Sport & Lifestyle, donc j'avais le plaisir d'être au lancement il y a quelques semaines. À ce lancement, effectivement, se trouvait le gratin des chefs d'entreprise marseillais et le fondateur de Sport & Lifestyle France, Pierre Distinguin, qui était un garçon brillant. Il faut savoir être à ces endroits-là, les endroits de business, ces endroits de rencontre. Il y en a un qui vient de se dérouler il n'y a pas très longtemps, qui est l'Open 13. Il y en a d'autres événements, comme le Mondial de la Marseillaise ou d'autres. Ces événements, il faut y être, il faut être présent, il faut rencontrer les bonnes personnes. Il faut discuter avec eux et puis, c'est ce qu'on disait encore tout à l'heure, montrer que vous avez pour eux une valeur ajoutée. Je pense qu'avec votre CV, vous n'êtes pas qu'une responsable marketing, vous avez des compétences qui vont amener le chef d'entreprise à se sublimer, à dépasser ce qu'il avait même peut-être pour habitude de faire et pourquoi pas pour une entreprise qui n'avait pas pour habitude d'exporter, l'orienter vers de l'export. On va bien sûr... Le fait que vous êtes trilingue va vous amener obligatoirement à poser, on va du moins vous parler d'export, parce que c'est du pain béni pour un recruteur, quelqu'un qui parle couramment espagnol. Il y a une volonté d'export de nombreuses entreprises marseillaises. Hein, voilà, ouais. Aujourd'hui, comme disait Émilie Sabi tout à l'heure, on essaie de faire rayonner Marseille du niveau des institutions, avec la capitale européenne du sport. On a été capitale européenne de la culture, donc il y a aujourd'hui des événements internationaux à Marseille, et il faut que les entreprises de la région se servent de ça, la French Tech notamment, qui le fait déjà et qui est en avance là-dessus. Mais peut-être qu'il y a d'autres entreprises qui n'y sont pas aujourd'hui et qui pourraient se raccrocher à ça et trouver avec quelqu'un comme vous qui est trilingue la possibilité de se tourner vers l'export et vers des pays d'Amérique latine ou des pays anglo-saxons. Alors le temps presse, c'est quoi le coup de pouce, Pierre, concrètement? Excusez-moi d'être direct. Vous avez raison et je suis là pour ça, il n'y a pas de problème. Alors le coup de pouce, ça va être d'essayer de vous orienter vers les entreprises avec qui nous travaillons et nous avons de très très bons rapports. Alors je ne peux pas citer de marque, mais il y en a une très très connue qui est une entreprise régionale de vins et spiritueux, Anisé, qui nous est à tous très cher parce que son fondateur était quelqu'un d'exceptionnel. Ouais. On peut dire son nom. On peut dire Ricard et ça. On peut dire Paul Ricard, même, Paul Ricard, voilà, ouais. Pour le citer. Qui était, Et l'alcool est bien sûr à consommer avec modération. Avec grande modération. Donc un petit coup de pouce sur ça, sur une mise en relation avec... On va essayer. Je ne dis pas que ça va marcher, mais au moins, on va essayer, cher ami. Marc. Très concrètement, je vais parler du sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, les entrepreneurs TPE. Qu'ils fassent appel à Anne-Marie directement. Moi, je pense que les compétences d'Anne-Marie peuvent rentrer véritablement dans leur cursus et dans leur volonté. Donc, je pense que tu as un CV qui peut permettre de travailler avec les TPE. Et puis, tout simplement, nous avons tous un réseau. Donc,
Je te demanderai de nous fournir tous les éléments qui vont bien pour qu'on puisse diffuser, nous, de notre côté, auprès des entreprises collègues et confrères que l'on a. Et puis, tout simplement, j'ai un besoin personnel au sein de notre entreprise. Donc, je pense qu'on va rentrer en discussion et on va voir quel type de mission on va pouvoir concrètement lancer, très, très concrètement, dès les jours à venir. Merci. Oh, j'adore, ça c'est le truc pas prévu. Non, pardon, hein. S'il ne fallait pas le faire. Allez, Émilie, on surenchérit. Vous êtes la dernière. Donc, il y a eu une mise en relation avec, on ne dit pas le nom de la société, mais elle s'appelle Ricaressa. Peut-être une mission non salariée, c'est-à-dire prestataire de service. Émilie, ça va être dur de surenchérir là. Ça va être dur. Moi, je ne vais pas surenchérir, mais en tout cas, je suis vraiment prête à ouvrir mon réseau. On a beaucoup de partenariats avec Prado Carénage parce qu'on a un panneau, surtout un nouveau panneau lumineux à la sortie du tunnel. Donc on affiche deux événements par semaine, on est partenaire de deux événements par semaine qui soient culturels, sportifs. Donc c'est sûr que forcément le réseau fait qu'il y a des organisateurs d'événements qui sont en contact directement avec moi et je me ferai un plaisir de leur transmettre vos coordonnées et votre recherche. Et je voudrais rappeler aussi que Tunnel Prado, d'ailleurs, vous offrez souvent des places pour des concerts sur votre page Facebook. Je le dis aux téléspectateurs, si ça les intéresse, une petite parenthèse, on affiche bien sûr sur l'écran le nom de la page Facebook de Tunnel Prado. Je voudrais qu'on arrive à la fin de l'émission sur le fait de te donner le mot de la fin, Anne-Marie, après tout ce qui s'est dit. Je voulais vous remercier pour tous vos conseils et je pense que tout ce qui résume ce que vous avez dit, c'est mon enthousiasme et ma passion et je dirais « simply beautiful ». Ce qui veut dire ? Simplement et en beauté. Voilà. Ouais, écoute, c'est vrai, c'est une bonne manière de résumer les choses. Je te propose, Anne-Marie, qu'on se retrouve dans quelques semaines ou quelques mois pour justement faire un petit reportage qui permettra de voir où tu en es. Quant à nous, chers téléspectateurs, on se retrouve sur TV Sud Provence, sur le canal 30, toutes les semaines donc, et puis sur Internet aussi. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez, vous devez participer à cette émission parce que c'est ensemble que la lutte contre le chômage se fait de manière citoyenne. À très bientôt.